On a fait une très grosse première mi-temps avec beaucoup d'intensité. On va dire qu'on a maîtrisé notre mi-temps. Il y avait rien à dire sur la première. On était efficace des deux côtés. Après, c'est sûr, on est rentré en deuxième mi-temps, peut-être inconsciemment avec un peu plus de relâchement. On a pris deux buts, mais on a su garder le score favorable pour nous. On est dans la course pour notre objectif. Maintenant, on reste concentré, on prend les matchs après les uns après les autres et on espère qu'on va réitérer ce genre de performance encore après dans les autres matchs à venir. Là, on va aller se déplacer à Valenciennes, ça va être un autre match. Ça sera à nous de mettre les ingrédients qu'il faut et les mêmes encore, parce que c'est ce genre d'ingrédients-là qui nous font réussir à chaque fois, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est prendre le match à notre compte et voilà. On a mis de l'intensité d'entrée, on marque d'entrée, ça nous aide. Et puis 4-0, avec de très belles actions de jeu. Et c'est vrai que c'est le danger, quand on fait une très belle première période, d'avoir un relâchement en deuxième période. Et c'est ce qui est arrivé, on s'est relâché, donc du coup on perd un peu notre jeu. Il faut rester serein dans ces moments-là, il ne faut pas paniquer, il y a quand même 4 buts d'écart, après on en prend un, après un deuxième, on sent qu'il y a un petit peu de fébrilité. Et après on a repris le fil du match et ça a été beaucoup mieux sur la fin. C'est contrat rempli, ouais, contrat rempli. On continue, on savait qu'on n'avait pas trop le droit à un joker dès ce premier match, parce qu'on a 8 matchs, il faut chercher peut-être au moins, je pense, 6 victoires pour arriver avec 18 points. Et donc du coup, ce premier match est très important pour la suite. Ouais, c'est marrant, il y a pas mal de hasard du calendrier qui fait que la 600e, ouais, la fête, ma fête, Orléans en face. Mais surtout la victoire, parce que avant tout, c'est ça qu'on retient, parce que c'est vrai que si on n'avait pas eu cette victoire, la fête aurait été gâchée. Donc là, maintenant, je peux savourer pleinement ce 600e et voilà, le passer tranquillement ce soir. Ouais, ça fait plaisir. On a fait un gros match aujourd'hui. Et surtout, il y a 2 semaines, on était tous ensemble. On a fait une bonne stage ensemble. Et tout ça se passait bien. On a senti aujourd'hui, dès la première mi-temps, qu'on était soudés, on était solidaires. Et après, ça paye. Donc, deuxième mi-temps, c'était pas le cas. Et on ne prend pas la tête. Et on n'a rien fait encore. Ça reste 7 matchs. Donc, il faut qu'on soit concentré. On travaille dur. Et pour gagner les prochains matchs. On sait que Ligue 2, là, tout le monde peut gagner contre tout le monde. Donc, ce n'est pas facile. Donc, on a pu marquer 4 buts dans les premiers mi-temps. Donc, c'est un bon 3 points. Quoi. Donc, on est vraiment content, surtout. On remercie tous les supporters qui étaient derrière nous aujourd'hui, ça fait plaisir. Oui, avec Benji et Darbich devant et là, donc il faut juste être efficace après Chimay. Bon, je suis vraiment content, surtout même 20e but aujourd'hui, ça fait plaisir. J'espère que je vais continuer à marquer et faire marquer les autres aussi.